Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleko et bienvenue pour ce deuxième épisode du Let's Play de Final Fantasy XV. Alors que ma PS4 est en train de cracher ses tripes. Allez, littéralement. Bon, premier changement, ouais. Vous l'avez deviné, je suis un petit peu un fervent de découverte. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai mis les voix en français. J'ai essayé de voir vos retours, déjà je me suis diminué drastiquement au niveau de la caméra, histoire de prendre moins de place sur l'écran, pour l'immersion c'est mieux. Clairement, on m'a demandé pourquoi je mettais ma caméra, c'est parce que je suis au niveau des testostérone d'homme, à peu près en niveau zéro. C'est-à-dire que dans la démo, on devait aller dans une grotte, j'ai flippé ma mère, mais comme si c'était un film d'horreur. Je pense que les gens se sont pris une bonne tranche de barre de rire. Alors je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais s'il y a des trucs qui font peur, je suis le premier à me cacher sous le lit. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, on va essayer de récupérer la voiture avec les voix FR. Je les ai mis pour voir aussi l'ambiance, parce qu'apparemment la version française est très très bien réalisée. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de voir ça. On va mettre du coup les deux spots ici. On va aller chercher. Alors pour ceux qui m'ont... J'ai lu vos commentaires, il y en a qui m'ont dit qu'on pouvait afficher cette barre d'endurance. Eh ben tant mieux, parce que franchement, comme je vous l'ai dit, je me suis dit, mais attends, c'est quand même chelou, il n'y a pas de barre d'endurance. C'est pas possible dans un jeu comme ça, un visuel, quoi. C'est vrai que maintenant que je viens de l'activer et que je l'active pour la première fois en courant, ça coupe un peu l'immersion, cette barre d'endurance. Eh, je suis d'accord, je viens de le tester pour la première fois, il y a quelque chose là dans le coin. Ah oui. Vous voulez vous défouler un peu? Si tu veux, moi je suis prêt. Ok, c'est des... Merde, c'est des... Attends, c'est des élites, ceux-là? C'est quoi le délire? Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Mais quel côté? Désolé. Tu m'as appelé? Je te tiens! Ok. Le sang, ça va être vite réglé. On expédie ça vite fait. Hey. Alors, je suis en train de toujours rechercher comment... Ah non, je l'avais fait! Arrête de manger! Voilà, c'est bon, merci. Tiens... J'espère que ça va te plaire! Finalement, c'est plus simple que prévu. Ah ouais? C'est tout? Oh! Ok, ça passe, chasse réussie. Ils arrêtent pas de bouger, eux! Prompto, laisse plutôt parler ton arme. Pas mal. Comme je le pensais, la VF est vraiment cool. Avançons. Ouais. Ok. J'aime bien la voix de Prompto. En fait, c'est peut-être la voix que je préfère. Mais vraiment, wow, qu'est-ce qui se passe et tout. Genre vraiment sur le personnage le qui se contrôle le moins. Qui est peut-être le plus agréable au final. Bon, allez, on va descendre, on va voir ce qui se passe. La barre d'endurance, pour l'instant, je la laisse. Je pense qu'elle va me saouler et que je vais l'enlever. Mais bon. Est-ce qu'on peut récupérer... Ouais, faut pas atteindre le seuil critique, en fait, sinon ça met encore plus de temps. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Après, c'est un petit peu plus pratique, histoire d'optimiser sa course. Des pieds de petit pois. Magnifique. Ok, on va aller récupérer la voiture, il nous reste plus qu'un point à récupérer. Il est juste au-dessus, mais là, on n'a pas trop le choix, faut faire le tour, je suppose, exactement. Ah, et pas facile à récupérer, franchement, celles-là, ils sont un petit peu chacal. Attends, what? Je me suis enfermé. Mais attends, je me suis enfermé, la blague. Non, là, par là. Ok. Oh, faut aller le voir, là, derrière. Le petit passage. Moi, j'ai flippé sur le coup, je me dis, oh, c'est quoi? C'est un attrape-pigeon et je suis tombé dedans. Ouais, ça, il manquait plus que ça. Hein. Ouais, ça va. On peut aller à la suite. C'est-à-dire... Je me sens mou avec ce temps. C'est vrai. Bah attends, je vois pas mon repère. Je suis biglu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ce... Ah bah voilà, il est par là. C'est ce qui me semblait. Ouh. On va y arriver, les gens. On va y arriver. C'est le réveil. Ah non, peut-être pas. Il est quand même 15h passé. Ça, en tout cas, je sais pas si ceux qui ont eu le jeu ont fait comme moi, mais c'est vrai que sur le coup, tu descends et tu fais « Mais je ne peux plus remonter, qu'est-ce qui se passe ?» Jusqu'à se voir que la minimap, ça va, qui est bien cartographiée, pour le coup, ça aide vraiment, parce qu'il y a les reliefs. S'il n'y avait pas eu les reliefs, je pense qu'on aurait été mal. Ah mince, j'ai encore utilisé mon endurance.
superbe musique là. J'adore ça. Je me sens mou avec ce temps. Ouais, je suis d'accord. J'adore cette musique. Ok, bah elle s'est arrêtée. Dommage, on était dedans. Eh, j'étais trop dedans, franchement, cette musique était trop belle. Ça fait longtemps que j'avais pas une musique qui m'avait genre envoûté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de celle-là. En tout cas, elle est plutôt stylée. Ok. J'ai perdu des PV. Ah oui, non, j'ai plus le buff de nourriture, c'est pour ça. Alors, pour l'instant, on a nos points de compétences, on a monté en niveau, ça se passe plutôt bien. J'ai lu vos commentaires, la plupart voulaient que je laisse la vidéo en entier sans rien y toucher. Ah ben voilà la musique qui revient. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir le ciel en guise de toi ? Ah, ouais, je comprends. Tu devais te sentir à l'étroit en ville. Je rêve ou tu te moques de moi ? Chacal. Ouais, les armes secondaires, ok. On va valider notre quête, on va récupérer les gills au restaurant. Attends, on fait pas des missions pour rien. Nous, on est des hommes, on travaille. Bonne idée. Bien aussi, Note. Oh, comment ça va, les gars? Belle performance. Et bim. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voulez des infos sur la région? Faites votre choix. Ah, et donc, on a le désert brutal. Je vais le prendre, celle-là. Les Mesmenir. Dis donc, vous êtes courageux. Pensez à bien vous équiper. Oui, merci bien, monsieur. Y a un truc que je veux savoir, parce que j'ai quand même pris une compétence que je n'arrive pas du tout à utiliser. Je le savais que j'allais pas réussir. Pas aérien. Permet de se déplacer dans les airs avec joystick plus rond après une attaque sautée en dépensant des PM. Enfin, ouais, mais je comprends pas, moi, il se déplace pas. Pour l'instant, je commence sur les esquives automatiques. Après, c'est sûr que je mettrai plus de points dans les esquives soi-même, quoi. Ok, donc le boss est à 300 mètres. On va faire ça. Je pense qu'on va récupérer la voiture en cours de vidéo. Bon, c'est le moment. Là, pour l'instant, j'ai le niveau des quêtes. J'arrive. Autant les faire, parce que si je les fais pas maintenant, la problématique va être qu'en fait, au moment où je vais devoir les faire plus tard, ben, ça sera pas drôle. Vaut mieux y aller quand on a le niveau. Là, je suis niveau 4-5. Les monstres sont niveau 5, donc autant le faire. Ça permet de toujours avoir l'intérêt des quêtes, quoi. Se pointer niveau 15 sur une quête niveau 5, au final, tu te sacrifies un peu le plaisir de jeu. Bon, alors, par contre, c'est des nouveaux monstres. On n'a pas encore combattu ceux-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et on va essayer, du coup, de faire des attaques sautées avec des pas aériens. Je sais pas trop comment, mais... Ok, c'est encore un groupe d'élite, ça. Wow. C'est genre des licornes du chaos, en fait. Qui veut faire un petit peu d'exercice? Écoutez-moi ce vantard. Ok, je suis partant si vous l'êtes. Ah non, mais regardez-moi comment c'est trop bien fait. Genre, y en a un qui scoute et tout. Attaquez les ennemis dans leur dos pour leur infliger plus de dégâts. Une attaque de dos réussie peut permettre aux compagnons d'enchaîner une attaque. Ok. Tu dépasses les bords. Désolé. Ok, là ça passe.
Non, 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 non. Hé, hey, Prompto, attention à pas glisser. Je vais prendre une épée parce que là, j'ai l'impression d'être un peu lent au katana. Oh, je vois plus rien. Ah, c'est ça! Oh, cette musique, on a l'impression que c'est Westworld. Je te couvre. J'espère bien. Prompto! À l'attaque! Bien joué, Prompto! C'est normal. Regarde ça! Ouh, c'était esquive! Ah merde, j'ai pas lock. Oh, le débile. Ah, évidemment, je vais charger au mauvais moment. Oh yes! Oh, comment on a nettoyé la zone! Désolé. J'arrive pas à faire les parades au bon moment. Attention! Ah, j'ai contre-attaqué! Ouais, c'est vrai. J'allais te le dire. Et là, logiquement, si on est loin. Ah, loupé! Alors, elle était trop belle celle-là. Entendu! Je te couvre! Ah, j'adore cette ambiance en fait en FR aussi. Clairement. Ignis, qu'est-ce que je fais? Ah, j'adore cette compétence avec Ignis, quoi! On va beau faire de notre mieux. Ça suffit. Arrête avec ton défaitiste. Oh. Te fais pas tuer. Et j'ai adoré le moment où il a gueulé Ignis et tout. Ignis, c'est bon. C'est prêt, Doc. Tout à fait. Là, il est marqué, tac, tac, et là, boum. Boum. Oh, la classe. Ah, j'ai réussi le QTO sans le savoir. Ah, merde. Je fais un genre de QTO chelou. Combo attaque de dos, attaque de dos. Surveille bien la défense. Et bon, ça va. Ignis, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai pas vu de QTE là. Merde. Écrase tout sur ton passage. Tu protèges mes arrières? Évidemment. Ils auraient pu faire quand même les arbres un peu translucides ou je sais pas. Voilà, c'était bizarre. J'ai bien cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va pas. Vous avez vu à quel point faire une quête avec le niveau adapté, c'est intéressant parce que là, ce combat. Ouais, il a envoyé du lourd. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la zone au moins? Il y a du minerai de foudre apparemment. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu. Ouais, j'ai pas besoin. Ok, on va valider la quête. Oh, elle était cool ce combat! Franchement, n'hésitez pas, parce que comme c'est un long let's play, n'hésitez pas à noter les temps. Par exemple, là, laissez un commentaire sur la musique, vous mettez un petit 1. J'ai pas du tout kiffé la musique. Là, petit 2. Wouah, le combat était ouf! N'hésitez pas à noter à chaque temps fort du let's play, comme ça, moi, quand je lis vos commentaires, c'est bien plus simple. Et je sais que personne le fait, mais à la limite, on pourrait noter les temps forts. Donc, temps numéro 1, la musique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Temps numéro 2, le combat. Il était ouf. Et peut-être qu'on va se tenter le combat numéro niveau 7 là. Hmm.
C'est quoi Cup noodle. Oui, des nouilles instantanées. Alors, on va lire ça. Ignis, un peu de shopping? T'as raison. Bouge-toi. Nos stocks commencent à baisser. Oh, le non-respect sur la dada. Temps fort numéro 3, parce que là... Oh purée. Au travail. Comment il l'a défoncé. Il est monté dessus comme si c'était un mur, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Vous pouvez éliminer la vermine? Gorge vorace. Ouh. Merci à vous. Ça a l'air plutôt pas mal. Prenez soin de vous. Je pense qu'on va faire celle-là et mettre nos points d'expérience après. Ah, 900 mètres, ils sont pas sérieux. Non. Le désastre. Oh, le sacrilège. Chocobo tuning. Oh putain. Ça a été un peu long, mais à mon avis, ça devrait vous plaire. Elle est presque trop belle pour rouler. La voilà! Prenons nos retrouvailles en photo! Raison de plus pour en prendre soin. Ah, dites, avant que j'oublie, vous pourriez effectuer une petite livraison pour moi? Ouais, pas de problème. Ah, génial. Cool. Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Tel grand-père, telle petite-fille? Ouais, non, ce dit-on fait pas Nox, la voiture est toute belle. Et prête pour la route. Tu veux prendre le volant? C'est plaisir, vas-y. Ouais, pourquoi pas. Pas besoin de te dire... d'être prudent. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le boss, quoi. Où il est, parce que... La route, voiture, non? Faut aller par là. Ouais, sauf que... Comment? Ouais, ouais, c'est par là, tiens. Je vais voir si on peut y aller en voiture, de toute façon, qui teste rien à rien. Conduite manuelle. En avant. On y va? Oh, le paquebot, quoi. Attends, je fais gaffe parce que me connaissant, je vais tout défoncer. Ah, mais ils sont gentils. Eh. Oh, le paquebot, les gars. Vous imaginez même pas. Hammerhead. C'est quand même un super garage. Le contraire serait étonnant. Il est tenu par un mécanicien royal. Mais quand on sera rentré, on pourra plus y aller, pas vrai? Hein? Tu pourras y aller autant que tu veux. Qu'est-ce qui t'en empêche? T'es assez grand? Si ça se trouve, Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as pas. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Je pourrais toujours te prêter la régalia si tu veux. Oh, t'es sérieux? Ah, non mais, en fait, je peux pas faire ça. Une fois qu'on sera rentré, je me paierai ma propre voiture.
Alors voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que là, la voiture ne réagit pas. En fait, je peux pas quitter la route. Ouais, je fais gauche-droite, mais c'est tout, quoi. Là, c'est automatisé. Et je peux même pas faire demi-tour. On descend là. On a besoin d'exercice. Ok. Ouais, bah c'est tout ce que j'ai pu faire. Ok, bon. Je pense qu'on s'est déjà pas mal rapproché. Ils sont juste là, parfait. Ouah, c'est quoi ce... Nous avons trouvé notre cible. Cette détection. Je peux monter là-haut, non? Bon, faut y aller. Tombe en état de danger, les sélections sont limitées. Quoi déjà? Oh merde! Ouah, comment il me défonce! Je te fais pas tuer, évidemment. Écoutez! Je suis méga concentré. Bien vu, Gladio. Ok. Non ! Tu es furé ? Merde, c'est sérieux. Oh, réflexe. Aïe. Aïe. Ça va? Ah, merci. C'est fou. Ouais. Ah mais, toujours c'est que ça les breaks moi les trucs. Parce que là les gars c'est chaud. Je sais pas ce qui m'a fait. Oh allez t'en fais pas mon frère. Joe, vas-y. Bien vu Gladio. C'est bon. Ouais, c'est passé quoi là? Je suis arrivé où? Oh là 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 là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ignis, fais attention. Ok, ah. Changement de programme. Ah, ok. Belle performance, Noct. Merci. Oh, la garde automatique, faut toujours l'avoir dès que tu fais plus rien. Ouais, je te le fais pas dire. Oh la vache, c'est chaud. Adieu. Non, concentre-toi. Plus tu comprends l'ennemi, mieux c'est. Je vais crever. Wow. C'était marqué PV0 quoi.
pas l'utiliser sur moi, c'est pour lui. Non, t'as plein d'armes, Snoke. Utilise-les. Ok. J'ai trouvé un minéral. Trop dur, sa mère. Et très intéressant. Je vais voir un truc, si je fais ça... carte... Faire venir la voiture. Est-ce qu'elle arrive dans le bon sens ? Vas-y ! Encore ! Encore un peu ! Stop ! Bon, à la prochaine ! Et le mec qui était dans le camion, il est plus là. Et... elle est pas dans le bon sens. Et comment tu fais dans ce cas-là? Tu fais conduite automatique. Parce que là, je dois aller où en fait? Conduite automatique. Ah oui, quête, ok. Le transporteur. Bon, vous êtes tous prêts? Oh, les portes et tout, quoi. Bah, comment il fait ça, lui? C'est pété! Demi-tour carré. Ah bah voilà, il fallait le savoir tout à l'heure, j'ai pas vu. Ou alors, j'ai pas regardé. My bad. Y'a quoi, là? Et il y a l'essence et les phares. Ok, la classe. Chocobo style, quand même. Oh là 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 là. La ruine. Eh, ça vous dirait pas de faire une petite pause? Ouais. Je meurs de soif. Raison suffisante pour s'arrêter. Ah, l'occasion de perdre du temps et de l'argent. Ah, faudrait peut-être se ravitailler en potions. Ah, une suggestion utile pour changer. Comment ça, pour changer? Ok. Bon, je pense pas qu'on ait besoin du plein, on va valider la quête. On mange un truc? On y va. Oh, comment ça va, les gars? Vous êtes doués. Bouh. Je sais, merci. Ah, ça fait des guilds, moi on se met bien pour le début de l'aventure. Après... Vous voulez des infos sur la région? Faites votre choix. Ouais, celui-là, on n'est pas du tout au niveau, donc on reviendra plus tard. J'espère que vous êtes satisfait et que vous reviendrez. J'ai bien cru qu'il allait fermer la bouche. On laisse la régalia comme ça, tranquille. Vas-y, je vais reconduire. Faut que je reteste un petit peu. En avant. Ok. C'est quand même bizarre, ce paquebot. Non, tu peux pas sortir de la route et tout, c'est super méga scripté. Mais tout à l'heure, c'était affiché aussi, sérieusement. Je l'ai même pas vu. Comment ça se fait que je l'ai pas vu? Vous voyez, quand je tourne là, en fait, c'est automatique, la limite. Conduite de nuit est dangereux car vous risquez de rencontrer des effroyables diamonds. Shine bright like diamonds. Shine bright like diamonds. Wow, 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 wow. En fait, regardez, si j'appuie rien, et je maintiens juste accéléré,
Bah la bagnole elle est un peu en conduite automatique, hein. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'en fait le joystick bah il sert à que dalle puisqu'on... Ouais à la limite tu fais l'intérieur du virage quoi pour économiser de l'essence. Mais voilà, la voiture elle se remet automatiquement sur le droit chemin. Et c'est super lent en fait. J'ai l'impression que quand tu cours tu vas plus vite. Trop déçu de la régalia, quoi. On arrive. Au niveau de l'essence, ça va, on est encore bien. Bien. Je pense que t'as assez roulé comme ça. Il vaut mieux me laisser le volant. Du moins, jusqu'à ce qu'on connaisse bien les environs. Conduite automatique n'est disponible qu'en journée, vous devez conduire vous-même après le coucher du soleil. Bah c'est l'inverse logiquement. Merci beaucoup. Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Vous inquiétez pas, on va sortir ça du coffre, inutile de bouger la voiture. Ah, content de te voir. T'as quelque chose pour Noct? C'est un bon toutou, ça. Ce chien a un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver? Attends, bouge pas. Jolie fleur. Je trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Je m'en souviens. Les fleurs de cils. Noctis, quand tu entreras au Lucis, est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies, après avoir collé quelque chose dedans. Ok, moi je suis parti d'insomnia. Vas-y, on va enfin se revoir. Je suis poétique quand même, on se fait plaisir. Faut coller quelque chose, mon gars. Voilà, c'est bon. Fais attention à toi. Au fait, Noct, tu nous l'as jamais montré, ce fameux bouquin? Parce que ça te regarde pas. Bah quoi, c'est un secret? Il nous le dira pas. Ah, la VF est cool aussi, notre franchement. Mission est accomplie. En route pour Galdina. Excusez-moi. J'ai trouvé une enveloppe pour le clan Meldacio dans le paquet. Meldacio? Le QG des chasseurs? Oui. Le chef du clan se trouve dans la région. Vous pourriez lui remettre? Eh, Noct, t'en dis quoi, vu qu'on est déjà dans le coin? Ok. On va voir la carte. Par contre, c'est moi ou... Moi, je suis bigleux hein, pour les emplacements de quêtes, mais ça devrait être carrément plus visible, quoi. Que là on sait pas. Quête. Non, la baie, c'est pas pour tout de suite. Oh.
C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. On va faire une pause, on va mettre nos points de compétence. Ça, ouais, c'est bien ficelé, ça. On fait une pause. Papy. Oh, un client. Point d'expérience gagné sur un 6000 moments du repos. Ce type d'hébergement a des avantages et inconvénients. On confère un bonus d'expérience mais sont payants. Ouais, on va payer. Un peu de repos. C'est pas mal ça, 300 gils pour XP fois 1,5 plus 50% d'XP quoi. On va voir les petites photos. Oh, beau cliché, bravo. Celle-là, on la garde. Avec la régalia, pas de photos ratées. Quel sens de la composition? Ok. Un truc pour qu'il vienne me reste plus souvent. Permet un actif de s'équiper de deux, non. Capacité de loisir d'exploration, s'en fout. Ça ne sert à rien. Moi, je veux augmenter le nombre de sorts que tu peux porter. Qu'une arme qui en a la capacité. Ah, ça, il y a l'air d'avoir des trucs de ouf. Hein. Permet d'augmenter la défense d'un ennemi en danger au moment de se relever. Augmente la vitesse de régénération de PV quand il est suspendu. Ouais, ça, il faut que je le prenne. Tout à l'heure, c'était vachement lent. Ah oui, la mise à couvert. J'ai complètement oublié ce truc-là. En même temps, je sais pas si c'est facile avec des mobs qui tournent partout. Faire une puissante attaque qui inflige. Ok. Rassembler les alliés pour annuler les têtes d'angers et regagner des PV rapidement. Ouah, ça a l'air pété. Concentrer les attaques du groupe sur une seule cible et faciliter l'utilisation de la compétence. Prenez les armes de Noctis d'un élément auquel l'ennemi est vulnérable afin qu'il lui inflige des dégâts plus importants. Ouh, nice! Du coup, est-ce qu'on peut pas... Ah ouais, le souci c'est que... Ouais, c'est un peu problématique. Rassembler les alliés pour annuler l'état de danger et regagner des PV rapidement. Et ça, c'est pété, ça, en termes de support. Je pense qu'on a trouvé le truc craqué. Bon, du coup, faut que je prenne ma voiture, apparemment. Conduite automatique, quête. Bah, apparemment. Salut ! Salut ! Mais attends, elle est où cette quête ? Je comprends rien.
là, là, je l'ai marqué. Ah, oh, il est là-bas, ok. Je peux pas passer là-dessus. Fier chez Dave. Ah, il est là. Tiens, c'est vous. Je vous remercie pour la dernière fois. Et pour cette fois aussi. En fait, ça ne s'arrête jamais. Alors ils en ont trouvé une autre. Une autre quoi? De quoi tu parles? Une petite médaille. Nous, les chasseurs, on porte une plaque d'identité au cas où. Au cas où vous auriez oublié votre adresse? Oh, plutôt pour savoir qui ils étaient. On risque notre vie en étant chasseur. Et parfois, cette médaille, c'est l'unique chose que l'on retrouve de nous. Ça fait partie des attributions du clan, de prévenir les familles. C'est pour ça que j'étais venu dans cette région éloignée. Eh ben... Si par hasard, vous tombez sur des plaques d'identité de chasseurs, ce serait possible de me les remettre? Ok. Compte sur nous. Quelqu'un a repéré une plaque de chasseur pas très loin d'ici. Le mieux est de demander des détails au resto, le Crow's Nest. Ok, intéressant. Du coup, c'était une zone de recherche. Hein. Je pensais qu'il y avait le point. C'est ça, les fameuses plaques. Mieux vaudrait la ramener. Le restaurant... Ne serait-ce que pour la famille. T'as raison. Ce serait bien. On n'a qu'à aller à la chasse aux infos, alors. Qu'est-ce que ça sent bon? La visite de l'empereur Idolas à Insomnia a pris fin aujourd'hui, en ce qui concerne la signature de la... Bienvenue au Crow's Nest. Crow's Nest, ok, let's go. Je vous sers quoi? Danger? Tout est dans le menu. Oh non, même pas. Même pas en rêve, les gars. On n'a même pas le prix, en plus. Ah si, 150. Bien, ce sera prêt dans 2 minutes. Ah, des frites. Bon appétit. Ah, ça me donne envie. Oh, j'ai découvert un truc. On va tout bouffer alors. Cette mission n'est pas facile. Je vous souhaite bon courage. Ah non, ça j'aime pas. Je vous souhaite bon courage. Ok, il faut attendre la tombée de la nuit pour aller voir les petits trucs. Donc on va commencer pour l'instant par aller voir dans le... Dans cette région, les choses qui font peur... Ça... On va aller voir plutôt la plaque. Doc, on devrait aller voir ça. Quoi donc? Ah non, ça c'est la mine, ok. Quête. La guerre de Tautis. Ça rigole pas. Ok. En avant. Ouais. Bon, je suppose qu'il y a un groupe de Tautis encore. Peut-être un albinos parmi eux. On va pouvoir tester tout à l'heure la compétence regroupement d'Ignis. Ça va parce que j'ai pris en même temps l'amélioration qui fait que... Ou alors je l'ai pas débloqué, que quand Noctis tape, ça lui permet de régénérer plus de barres de soutien. Après le mariage, Dame Luna Freya et toi, vous retournerez à Insomnia? Ah, je sais pas, c'est trop tôt pour le dire. Oh, 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 qui aurait imaginé que t'allais te marier? Dis-moi,
Ça te fait quel effet, au juste? Ouais, c'est pas si mal. Bah, bien sûr que oui. Qui refuserait d'épouser une fille pareille? T'es jaloux? Mais oui, 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 c'est ça. Ouais, j'avoue que j'ai tendance à vouloir laisser les voix FR, là, pour le coup. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouah, il est gros, celui-là. C'est vrai qu'il y a un délai là-dessus, faudrait... c'est chiant. C'est bon, j'ai tout ramassé. Bon, on va se taper une grosse bébête. Ça va être plutôt pas mal, je pense. Par là, peut-être. Ça a l'air d'être chaud. Ready les gars? On entend des c'est pas bon ça. Ok, ça c'est des petits. J'attaque le premier. Comme ça, sans stratégie? C'est pas compliqué. On les écrase tous. N'oubliez pas que les animaux peuvent se montrer plus féroces. Ça va être tranquille. Putain, je m'en tiens carré. C'est... Hey, hey. Désolé. Ok. Allez, bim. Gladio, ça. Go, défonce tout, Gladio. Carton. Oh, bien joué. Oh, la contre-attaque, mon gars. Le prince des tueurs. Merci. Vite fait. Bien fait. Au suivant. Ah bah le suivant il arrive tout de suite. Bah il est où le gros monstre qu'on a vu là? On va aller défoncer comme ça. Ça va être rapide. Bon, quelle est la stratégie? On fonce dans le tas. Je me contenterai de les contourner. C'est presque des vacances. C'est stylé en fait, tu peux te téléporter comme ça, comme un dash. Ouais, je sais, j'ai pas eu de race parce que je l'ai fait sur mes pattes. On est foutu. Quelle rapidité. Non, pas la peine de te poser comme ça. Prends-toi et reprends. Ouais, mais ça je sais. Le truc c'est qu'il y a rien pour ce... Peut-être là, non? Vitesse! Tranche la route! Ça va, ok! Attaque par derrière! Un vrai jeu d'enfant! Expérience! Pas de problème. Rien qui mérite que tu m'inquiètes. Bon, et ben continuons comme ça alors. Ah, mais vas-y, je fais carré pourtant. J'avoue que tu m'as fait. Je sais. Ils sont relous, hey, hein. Pronto. Attention à pas de gladio, vas-y. Attention à pas de gladio, vas-y. Ils arrivent pas de bouger, eux.
Brillant. Allez. Évidemment. Laissez-moi faire. Affirman. Ortiz. Voilà. Ok. Je ne sais pas dessus. Pareil pour toi. C'était chaud ce combat, il y en avait beaucoup et en plus il n'y avait aucun point pour revenir. J'ai bien cru qu'on était cuit. Rester en vie, ça me va parfaitement. Bah je suis triste, je pensais qu'on allait voir un gros Tahuti là. Mais apparemment c'est pas le cas. Maman qui veut nous en donner une et puis que c'était un avertissement et qu'il y a une autre plaque et... Peut-être que... Ça y est, on y est. Ah, vous avez trouvé une plaque d'identité. Merci. Oh, non, c'est rien, on a fait que la ramasser. Essayez de pas trop penser au sort de ce malheureux. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent ça me travaille, moi aussi. Ça me pèse. C'est justement pour ça que c'est important de récupérer ces plaques. Même si c'est dur. Mais si on se laisse paralyser par l'émotion, ça fera plus de familles qui ne retrouveront jamais leurs plaques. Et ça, je peux pas l'accepter. Ouais, c'est certain. Je dis la même chose à mes chasseurs. Si vous trouvez des plaques, il est impératif de les rapporter. On se met bien là. T'as 500, ouais. Super potion x10, tranquille. Bon, c'est la fin de cet épisode 2, on a pu chasser ce qu'il nous fallait, on a pu... Bah, la déception du Tahuti, je sais pas si d'autres ont fait la quête et l'ont vu, j'en sais rien. Toujours est-il que pour l'instant, on va s'arrêter là, je vais donc sauvegarder... Option, sauvegarder. On va prendre sur... Ouais, ça c'est les sauvegardes automatiques, les 1 et le 2. On va mettre sur le 4, je vais alterner le 3 et le 4, moi. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera très bientôt, sans doute demain, pour l'épisode suivant. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde et à la prochaine. Portez-vous bien. Les combats ne font que commencer. On y va mollo. On y va tranquille. Tchuss !